J'ai fouillé le vieux magasin dont vous avez parlé, et j'ai trouvé des éléments intéressants. J'ai même rapporté un échantillon. Qu'avez-vous découvert ? J'étais certain qu'un monstre géant n'aurait jamais pu y entrer sans se faire remarquer. Le culte de la mère féconde se débarrassait des corps de ses victimes dans le sous-sol du magasin. Les recherches du professeur Westerbrook suggèrent bel et bien que les Acherontiques sont attirés par les dépouilles. Non. Ce monstre était formé de corps. Et une substance gluante et putride recouvrait toutes les surfaces. Peut-être quelle était la cause de sa transformation ? Vous avez parlé d'un échantillon. Je peux mener quelques expériences sur des rats. Si votre théorie est vraie, il s'agit d'une formidable découverte. J'ai inspecté cet infâme restaurant. Je le qualifierais bien de trou infernal, mais ce serait insulter le diable. Bon sang, que s'est-il passé ? Le cuisinier était cinglé. C'est un cannibale qui donne de la chair humaine aux monstres. Il les appelait ses clients. Ce restaurant était autrefois prisé par l'élite d'Oakmont, et nombreux sont ceux qui y ont disparu après l'inondation. Nous savons désormais pourquoi. Pensez-vous que c'est le cannibalisme qui est à l'origine de cette horrible transformation ? Hélas, ces jours-ci, le cannibalisme n'est pas si rare. Se pourrait-il que les cochitifs, comme Westerbrook les appelle, étaient jadis humains ? Ce que nous avons découvert au sujet des mâles-bêtes fait froid dans le dos. Qu'allez-vous faire de ces informations ? J'ai déjà contacté l'université. Nous travaillerons de concert avec eux pour étudier ces phénomènes. Ces informations doivent être relayées à la police. Ils doivent savoir ce à quoi ils ont affaire. Tout à fait. Quand nous aurons bien documenté nos résultats et qu'ils auront fait l'objet d'une évaluation conforme, les mesures adéquates seront mises en place. Documenter nos résultats ? Évaluation conforme ? Combien d'innocents mourront d'ici là ? Nos recommandations doivent être claires et fondées sur un argument raisonnable, sans quoi elles seraient inutiles. La science avance à son rythme, mon ami. Au revoir.